Salut, on se retrouve pour une nouvelle sortie dans la forêt de Grimbault, une sortie improvisée puisque là on est le samedi 11 mars et cette semaine on a eu beaucoup de pluie et de vent dans la région. Donc j'avais pas prévu de sortir initialement. Aujourd'hui il devait encore faire gris et pluvieux toute la journée et finalement ce matin les nuages ont disparu. Donc j'ai pu emballer quelques affaires vite fait et me préparer pour sortir. Donc là, je me trouve au bord de l'Orne, à la lisière de la forêt publique. C'est là que je vais me poser pour faire à manger, parce que le temps de tout emballer et de venir ici, il est déjà 15 heures passées. Donc je vais devoir me dépêcher de manger et après reprendre la balade. Encore une fois, ce sera au réchaud à gaz. Alors je sais que ça fait pas très bushcraft, mais dans le même temps, je suis entouré, là je suis sur une petite zone où on peut pique-niquer, je suis entouré de panneaux interdits de faire du feu, interdits au barbecue, interdits, etc. Donc je vais éviter de faire ça directement en dessous des panneaux et de m'allumer un feu avec du bois, même si j'avais ramené tout ce qu'il fallait. Donc voilà, réchaud à gaz encore une fois. Que menu? J'ai saucisse de Toulouse et flageolet. Comme je vous ai dit, il a beaucoup plu cette semaine, ce qui fait que le niveau de l'eau est particulièrement élevé. Et on s'en rend bien compte pour ceux qui connaissent, ici en fait, là, il y a un îlot, normalement, un îlot sur lequel vont les pêcheurs et certaines personnes qui vont bronzer aussi. Et cet îlot, normalement, on y accède à pied, il y a un gué ici. Et là, alors quand je dis que c'est un îlot, les pierres les plus hautes, là, elles sont bien 1 mètre, 1 mètre 50 de hauteur d'habitude. Donc là, on voit bien qu'il y a au moins 1 mètre d'eau supplémentaire. Normalement, le petit chemin pour y accéder. C'est là. Là, on voit même plus les premières pierres qui y mènent, quoi. Tout est noyé. Je ne sais pas ce que c'est comme oiseau, mais de toute évidence, c'est un rapace vu que il décrit des cercles depuis tout à l'heure. Il a dû repérer quelque chose sur l'autre rive.
grand, c'était bon. Alors pour la vaisselle, c'est pas dur. Ça, c'est le plat dans lequel j'ai mangé. Voilà. Un peu d'eau. Juste histoire d'enlever le plus gros et de pouvoir remettre dans le sac. Hein. La vraie vaisselle sera à la maison. Et c'est tout propre. La traditionnelle petite infusion pour bien digérer. À chaque fois, je fais cramer le bout. Vu que je suis au bord d'un chemin fréquenté, j'ai bien fait de prendre le réchaud à gaz parce que le temps de faire cuire ma popote et le petit thé, j'ai vu plusieurs groupes de promeneurs. En quad, en vélo, enfin en VTT, à pied, avec les enfants, avec les chiens. Donc j'ai bien fait de prendre juste le réchaud à gaz, parce que je pense que ça ne serait pas forcément bien passé sinon. J'aime pas faire de la pub pour du matériel, parce qu'il y a plein de chaînes qui s'occupent de faire ça et qui le font beaucoup mieux que je ne le ferai. Par contre, je vais juste faire une parenthèse sur... sur ça, les coupes Kelly Kettle, juste parce que avant de tester, de trouver ça, j'ai testé des paquets de choses et j'ai pas été satisfait du tout. Alors ça vaut un peu cher, ça vaut 20 euros les deux, c'est fourni avec deux coupes identiques, hein, comme ça, une de 500 ml et une de 330 ml. Les deux s'emboîtent l'une dans l'autre. Là, j'ai que celle de 500, mais les deux s'emboîtent l'une dans l'autre. Les deux sont faites en acier inoxydable, donc on peut les mettre directement sur le feu, vu que les manchons des poignets sont en silicone. Ça permet d'éviter de se brûler, parce que même si on les chauffe, la température du matériau reste beaucoup plus froide
celle de ce que ça contient. Donc même si l'eau est bouillante ou frémissante, on peut poser ses lèvres sur leur bord. C'est fourni avec un petit protège-lèvres d'ailleurs, au cas où, que j'ai mis quelque part. Dernier point, alors au-delà du fait que ça se lave bien, que ça s'entretient facilement, que ça rouille pas, que ça brûle pas, petit point qui n'est pas mentionné nulle part sur les sites pour les acheter, c'est tout simplement qu'on peut y emboîter directement la bouteille de gaz. Et ça, c'est bien pratique pour gagner de la place. Bon, je vais reprendre la marche. En allant par là-bas, derrière moi, je vais croiser la chapelle Sainte-Anne. Je vais passer sous un vieux pont qui servait de voie de chemin de fer, mais qui est aujourd'hui désaffecté. Et puis, je vais sans doute bifurquer pour prendre le sentier botanique et faire une boucle pour revenir à la voiture ou faire demi-tour et repasser par ici au retour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que j'ai commencé la vidéo, c'est la première fois que je me couvre. On est pourtant le 11 mars. Donc malgré ça, malgré le fait qu'on soit encore en hiver, même si on est à 10 jours du printemps, il fait presque 18 degrés. Donc c'est un vrai bonheur de se balader aujourd'hui. Il n'y a que deux maisons sur ce trajet. Il faut que l'une se soit mise au-dessus de l'autre. Après, je sais pas pour vous, mais le terrain du bas, moi, il me fait rêver. J'ai fait exactement ce qu'il ne faut pas faire, à savoir que je me suis couvert juste avant de partir marcher. Et une demi-heure après, je me retrouve trempé de sueur, fatigué.
fatigué, j'avais trop chaud, donc j'ai retiré le petit pull en polaire. Et du coup, là, je suis trempé et j'ai froid. D'autant que le soleil a bien baissé. Et là, en plein milieu des bois et à côté du ruisseau, il fait vraiment pas chaud. Enfin, il doit faire quoi, 12, il fait pas froid, mais mouillé à cause de la sueur, il fait froid. Je vous laisse imaginer le système racinaire qu'il faut pour retenir un arbre de cette taille-là, sachant qu'il est complètement incliné et que la moitié du tronc est déjà dans l'eau et qu'il est comme ça depuis des décennies. Sachant que l'arbre lui-même, il est loin d'être petit. Bon, je suis à peu près sec. Par contre, il est 18h30. Et la voiture est à peu près à 45-50 minutes de marche. Et à 18h30, à 11 mars, à mon avis, j'ai pas plus d'une heure, 1h20 de soleil devant moi. Vraiment maximum si ça se couvre pas. Donc je sais pas si je continue ou si je retourne directement la voiture pour profiter du petit apéro que je me suis amené. Bon, fin du mode panique. Alors, j'ai fait demi-tour, finalement, et je suis revenu à la chapelle Sainte-Anne, donc c'est là où je suis en ce moment. Sauf qu'une fois que j'y suis arrivé, je me suis mis à chercher mon paquet de tabac. Impossible de le trouver dans la poche de mon treillis. Donc, persuadé de l'avoir perdu là où j'avais enlevé mon pull en polaire, j'ai fait demi-tour, j'y suis retourné à toute vitesse et il n'y était pas. Donc j'ai à nouveau fait le chemin en sens inverse pour revenir du coup à la chapelle Sainte-Anne et j'ai scruté les bords du chemin en avançant lentement pour bien m'assurer qu'il n'était pas tombé tout simplement. Et finalement, il était toujours dans ma poche, au même endroit. C'est juste que j'avais mis un petit calepin aussi dans ma poche, le calepin qui est là, et qui me sert à prendre des notes pour ne pas faire les erreurs que j'ai faites la dernière fois, à savoir ne pas me rappeler de ce que j'avais dit dans telle ou telle prise. Et en fait, le petit calepin est quasiment aussi épais, quasiment aussi gros, ce qui fait que quand j'ai tâté ma poche et que j'y ai mis la main, tout ce que j'ai senti c'est le calepin, alors que le paquet de tabac était toujours dans la poche. Donc aller-retour deux fois, du coup il est 19h grosso modo, et je pense que j'ai mérité un apéro. Il y a pire quand même comme vue pour boire une bière. Sincèrement, je suis incapable de dire si c'est le soleil ou la lune. Je pense que c'est la lune. Normalement, le soleil devrait être de l'autre côté. Si j'ai encore des notions d'est et d'ouest, le soleil devrait être de l'autre côté. Donc ça, c'est la lune qui, normalement, est pleine aujourd'hui. Là, elle est un peu masquée par les nuages qui reviennent. La température a bien baissé.
C'est magnifique. Il est 19h20, il y a encore un peu de jour à peine. Je suis toujours au même endroit. Ça devient dur de filmer, alors je ne vais pas tarder à rentrer. Je voulais juste vous dire deux petites choses. La première, c'est au niveau du nom de la chaîne. Dedans, il y a randonnée et bushcraft. Et pour l'instant, ce que je vous montre, c'est pas vraiment ni de la randonnée, parce que c'est plutôt des balades genre 2 heures, 3 heures, enfin des sorties à l'après-midi. C'est pas vraiment du bushcraft, parce que bon, je fais une sortie à l'après-midi, je fais mon repas, mais c'est même pas vraiment sur un feu de camp ou rien de comme ça. Donc là-dessus, déjà ça va venir. Il y en aura, je l'espère, assez bientôt des randonnées et du bushcraft. Par contre, pour l'instant, on est fin d'hiver, début de printemps, c'est très dur de prévoir la météo. L'autre jour, je vous ai fait une sortie samedi dernier, et le dimanche, ça a été une tempête assez monumentale dans la région. Donc, difficile de prévoir ce qui va se passer à l'avance. Une vraie randonnée sur au moins une journée, ça se fait pas sans aucune préparation. Et le bushcraft, eh ben, ici, c'est compliqué. Alors, moi, j'habite dans le Calvados. Et dans le Calvados, ce qu'il faut savoir, pour la petite histoire, c'est que c'est une ancienne région métallurgique. Donc au 19e et au 20e, il y avait énormément de métallurgie dans le coin. Donc littéralement, les forêts ont brûlé dans les flammes de l'industrie. L'ancien monde brûlera dans les flammes de l'industrie. Les forêts tomberont. Un nouvel ordre naîtra. Donc, les forêts, il n'en reste plus que deux. Grimbault, où je suis, et Cerisy, ou Balleroy, enfin, elle a deux noms cette forêt, mais c'est Cerisy ou Balleroy. Et ces deux forêts-là, déjà, bah, elles sont petites. Je crois que Grimbault, ça doit faire 450 hectares, si je ne me trompe pas, à vérifier. Balleroy, c'est un peu plus grand, mais c'est pas non plus énorme. On n'est pas sur des grandes forêts où il y a moyen de se perdre et de ne pas voir personne pendant une journée, enfin, voire une nuit. Enfin, là c'est inenvisageable dans la région. Donc les deux forêts qui existent, elles sont petites. Du coup, elles sont fréquentées, vu qu'il n'y en a plus que deux. Et toutes sont quadrillées. Si vous voulez, il y a des chemins. Et en dehors des chemins, on est vraiment dans des parcelles de bois exploitées pour beaucoup, ou de reconstitution, genre taillis, etc., volontaire. Donc, c'est petit, il y en a peu, c'est fréquenté, c'est surveillé. Donc ici, faire un feu, c'est pas le plus simple. Donc j'évite la plupart du temps d'allumer autre chose que le réchaud à gaz. Le réchaud à bois, c'est si j'estime que personne ne va m'interrompre, parce que j'ai pas envie d'avoir une explication autour de ça. Et les feux de camp, tant que je suis dans la région, j'en fais pas. J'évite parce que un réchaud, je pense que même si j'avais affaire à un garde forestier, je pourrais m'expliquer. Le feu de camp, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, à mon avis, je risque l'amende, quoi. Donc, j'ai pas envie de faire ça. Donc, dans la région, le bushcraft, c'est limité. Peut-être, quand il fera un peu meilleur, tendre le hamac ou mettre un tarp, enfin, une tarp, d'ailleurs. J'arrive jamais à ce truc-là. Pour moi, c'est un tarp. Mais j'ai conscience que c'est une toile de tente, donc c'est une tarp. Donc de temps en temps, tendre le tarp, mettre le hamac, voilà. Pour les sorties à la nuit, il faudra soit qu'il fasse vraiment meilleur, soit que je trouve un lieu isolé ou allumer un feu. Et dans la région, j'en vois pas. J'ai sillonné, hein, parce que c'est pas ma région d'origine, mais j'ai sillonné et j'ai pas trouvé d'endroit sauvage où être vraiment tranquille. La forêt de cinglé, la dernière fois, c'était limite ce que j'ai trouvé de mieux. Vu que je n'y ai pas croisé une seule personne de l'après-midi,
Mais bon, ce sera à vérifier quand on sera vraiment en saison et que beaucoup plus de monde fréquentera la forêt. Là, je verrai s'il y a moyen d'être vraiment tranquille ou pas. Pour l'instant, elle a été tranquille la dernière fois. À voir ce que ça donnera les fois suivantes. La forêt de Grimbault, bushcraft ou même pas bushcraft, un camping sauvage, c'est hors de question. Il y a des panneaux, allez, tous les 200-300 mètres sur le chemin où je suis là. Il y a des panneaux tous les 200 ou 300 mètres, camping sauvage interdit, barbecue interdit, etc. Donc ici, c'est pas pensable. Par contre, dès que je sors de la région, là oui, je me fais plus plaisir. Il y a des forêts autrement plus grandes où il y a moyen de croiser personne pendant allez, au moins une après-midi, parfois des journées entières. Et là, je peux me faire plaisir. Dans la région, non. Dans la région, j'évite. Bon, alors en dehors du fait que je ne vois rien, je vais devoir me décider à rentrer. Et quand même 20 h là. Ça commence à faire tard. Je ne vois plus rien de toute façon. Donc j'ai la frontale hein, quand même pour rentrer, mais ça va pas être super, surtout qu'il y a de la boue sur le chemin. J'ai aucune envie de me dépêcher. J'aimerais rester là toute la nuit si je pouvais, mais de toute façon, je n'ai pas emporté de quoi, et comme je vous ai dit, ici, c'est pas possible. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, ou soirée, ou nuit, ou ce que vous voulez. Et puis, merci d'avoir regardé la vidéo, et à bientôt! Jean-Michel Éclairage présente les doubles lumières dans ta face. Frontal et le flash.